Marie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Bien. Donc vous représentez l'eau des Abatilles. Oui, l'eau minérale naturelle des Abatilles. C'est l'eau du bassin d'Arcachon. Le Arcachon est situé à peu près une heure de Bordeaux. Alors, Arcachon, c'était une ville thermale. Tout à fait. Dans les années 30, notamment, l'eau des Abatilles était considérée comme une eau de santé, était reconnue pour ses propriétés thérapeutiques. Donc, la source des Abatilles avait une cure thermale. Et pour la petite anecdote, en 1954, l'eau des Abatilles a même été, enfin, la cure thermale des Abatilles était remboursée par la sécurité sociale. Voilà. À l'époque. À l'époque. Peut-être que ça va revenir. Peut-être un jour qu'il y aura une... Peut-être. Alors, vous nous proposez deux eaux minérales. Oui, on a une gamme... Une plate, une gazeuse. Tout à fait. Non, une plate et une pétillante. Une finement pétillante. Je vous la fais tester si vous voulez. Des petites bulles. Des fines bulles qui n'agressent pas le palais. D'accord. Et c'est recommandé pour quoi ? C'est diurétique ? Pour des vertus détoxifiantes, drainantes. Effectivement, à l'époque, c'était reconnu pour tout l'aspect diurétique et soigner effectivement quelques maladies à l'époque de la cure thermale. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve à la vente partout, chez des cavistes, oui, alors, dans des restaurants. Aujourd'hui, on a un positionnement premium qui est très axé sur les cafés, hôtels, restaurants, notamment de par la forme de la bouteille. Qui s'apparente à une bouteille de vin puisqu'on se cale un petit peu à la distribution du vin. Donc on est très implanté dans le grand sud-ouest, de La Rochelle à Bayonne, Biarritz, tout le Pays Basque. Petit à petit, on se développe aussi à l'export. On est présent dans une trentaine de pays et aujourd'hui, on est présent à Vinexpo Paris en tant que partenaire historique et officiel de Vinexpo depuis 2015 pour développer la marque et lancer l'arrivée des Abatilles sur le marché parisien. Aujourd'hui, la marque a tout pour séduire le marché parisien, les brasseries, les hôtels. On est déjà présent dans quelques établissements et on compte bien sur Vinexpo Paris pour développer cet axe aussi. Vous êtes partenaire aussi de la compagnie aérienne KLM et Air France. Oui. Les Abatilles est présente. Alors, l'eau des Abatilles, oui, peut être servie effectivement sur la compagnie Air France. Voilà. On va trinquer ? Oui. Marie ? C'est vrai que ce sont des fines bulles. Effectivement, c'est des fines bulles. C'est une eau qui est très appréciée des chefs, notamment, de par la subtilité, le goût neutre qui permet en fait de sublimer les accords mets et vins, les plats qui sont dégustés et pas venir altérer le goût d'un aliment. Et on peut s'en servir en tant qu'effectivement rajout dans certains cocktails. Tout à fait. Tous les jours à 17h et également le matin de 11h à midi, on a une animation Virgin Mojito. Donc Virgin Mojito aux bulles d'Abatilles pour un cocktail rafraîchissant qui permet de remettre le palais un peu à zéro entre toutes les dégustations de vin ou de spiritueux. Donc buvez l'eau minérale des Abatilles sans modération, mais vraiment sans modération. Hein, Marie ? Tout à fait, je suis d'accord. Merci. Merci Marie, bon salon. Merci à vous aussi.